La force des eaux piège certains habitants et emporte arbres et véhicules. Trois jours de pluie diluvienne et de crues exceptionnelles au Maroc, mortelles, surtout près de Guelmim, au sud-ouest du pays, aux portes du Sahara, mais aussi plus au nord, près de Marrakech. Ici, un hélicoptère arrive à temps pour évacuer les plus exposés, et quand la décrue s'amorce, il faut faire le constat des dégâts. Certains ont perdu leur maison, leur magasin, même l'école a été touchée. On était en train de dormir et on s'est réveillé avec l'eau de la rivière. On a essayé de s'échapper et de sauver nos enfants. J'ai 6 enfants. Les autorités avaient pourtant renforcé les systèmes d'alerte inondation depuis quelques années. L'alerte météo est aujourd'hui levée, alors que certains axes de circulation étaient bloqués depuis vendredi. Par endroits, il est tombé jusqu'à 250 mm d'eau en quelques heures.